Et salut à tous et à tous, c'est Black Kirby, j'espère que vous allez bien, tout comme ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de notre SP sur Super Mario Bros. U Deluxe. Donc j'ai pas enregistré, mais j'ai fait le donjon en fait. Enfin je l'ai fait, mais j'ai pas lancé l'enregistrement. Du coup bah je vais le recommencer avec vous. Hop, j'ai battu le boss, mais de peu, genre il me restait 99 secondes. Et je l'ai battu à 78. Et de toute façon je vais le refaire, pourquoi? Parce qu'il manque une étoile tout simplement. Donc la première elle est là, bon vous la voyez hein, je vais pas aller la récupérer, elle est déjà récupérée. Il m'en manque une malheureusement, je sais pas où elle est. Oh non mais ça a pas recommencé. Je l'ai fait juste avant, il y a même pas 2 minutes, je suis pas mort. Une seule fois je l'ai fait d'une traite. Et là, en vidéo, il faut que je meure. Oh, c'est une blague. Attends. Tu vas pas tomber. Tu vas pas tomber. Voilà, c'est bon, je l'ai. Ok. Écraser. Boum. La deuxième, elle est ici. En vrai, je sais pas pourquoi je me casse la tête, je suis sûr que je peux faire ça, ça, et voilà. Et la troisième, c'est à partir de maintenant, je sais pas où elle est. Genre j'ai essayé là-bas, vous inquiétez pas. Hop, il y a un petit champignon, une vie en plus. Et de l'autre côté, il y a rien, il y a un bloc avec une pièce, mais sinon sans plus. Alors, une pièce qui est là-bas. Enfin, non, c'est pas... Attends, non, il n'y a pas de pièce ici. Ici c'est un bloc spécial. Oh la chance. J'ai trop de la chance de trouver ça. J'utilise, mais je m'en fous, j'ai déjà fait en fait le donjon. Donc je sais à quoi m'attendre. Par contre il y a un truc que... Est-ce que ce serait pas là? Là. Peut-être juste au-dessus de ça. Je sais pas où elle est, ça m'énerve. Y'a rien du tout après. Alors tout ce qui me reste comme indice, c'est ces petits blocs qui bougent là. C'est pas ça qui va m'aider quoi. Ah quoique. Ah je pense que. Si je vais tout droit, il y a un truc. Non. Ah oui. Ah bah je l'ai trouvé en direct. Je suis content. Ok donc. Ouais. Ah bah avant qu'il détruise tout, il faut qu'il. Hop et bim, troisième attrapé. Tant pis, je m'en fous de perdre mon pouvoir. J'ai la troisième. Là j'ai terminé le niveau pour moi. Enfin, après avoir battu le boss bien sûr. Pourquoi je fais ça? Ça m'arrive tout le temps pendant que je joue. Eh mais pourquoi?
On veut aller. Alors là, c'est simple. C'est parti. Crash, 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 crash. Boum. Et là, il n'y a pas d'objet. Ouais, j'avais dû essayer. Donc, je sais pas si vous allez voir la cinématique après le donjon, mais en gros, quand j'ai battu lui, cette sorcière qui est là, elle va aller au château de Peach et il y a une grosse aura d'ombre qui va apparaître. Comme dans Zelda Breath of the Wild quand on observe le château de Ganondorf. Il y a une grosse aura sombre autour et ben ce sera pareil pour là. Voilà. Je me rends compte qu'en fait ils étaient super simples à battre. T'as juste à rester au même endroit et bon, c'est fait. Donc il y aura donc une grosse aura sombre autour du château de Peach à cause de la sorcière. Je sais pas si je peux me déplacer avec la carte et vous montrer. Ah du coup je re-sauvegarde, oui bien sûr. Alors carte. Où est le château de Peach? Où est le château? Ah je pense que c'est. Voilà, donc voilà, il y a une grosse aura sombre. Enfin, aura sombre, voilà, mais il y a une aura autour du château maintenant. Alors. Faut pas que je me fasse coincer par eux si je veux passer. Okay. Oh non, mais c'est bête. S'il se rapproche de moi, je peux pas essayer d'anticiper. Bon, donc ça c'est l'espèce de mini-jeu, je crois que je dois tous les tuer. Merci. Le mini-jeu en un bon, on a appris un truc. Et une couronne. Ah, c'est pas celle qui permet à Toadette de devenir Princesse Peach? Ou Toadette Peach, si on peut dire ça comme ça. Allez, tu te casses. Ok, donc j'ai encore un objet spécial. Et voilà, je t'ai donné mon gars. On va pas y aller. C'est parti, puits de pierre. Oh, je le sens pas celui-là. Bizarrement, je le sens pas du tout. Alors... Ok, et de une. C'est pas ce qui est rebondi, ça. Non. Je peux pas accéder à là où ils sont. Ah, c'est celui-là qui a rebondi. Non, même pas celui-là, c'est temps. Okay, d'accord. C'était trop beau pour être vrai. Je me suis dit, ouais, je vais garder jusqu'à la fin. Ah, rien du tout. Je veux dire, s'il n'y a pas des trucs des fois. Eh bah ouais mon pote, allez casse-toi. Et de deux, il n'y en a plus qu'un. Je sais pas comment ça marche ça. Deuxième fois que je teste. Allez, 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 allez. Viens. Oh oui, il peut tomber d'un bout. Hey. Attends. Oh, oh, ça va être. Voilà. J'en étais sûr. C'était trop simple pour moi. Je savais que j'allais faire un truc, ça allait tomber. Voilà. Donc en gros, le but c'est de lancer là. Il rebondit. Non! Mais comment? Comment j'avais l'écureuil. Normalement, j'étais censé m'accrocher. Comment j'ai pu rater ça? Oh mais je suis trop. Oh là 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 là, comment j'abuse. Je suis en Mario écureuil, je peux m'accrocher au mur, je trouve le moyen de perdre quand même. Et pour rattraper le. Ah mais là ça va être chaud. Ah non ça va. Hop, c'est bon. Donc je vais essayer de refaire le truc vert pour pouvoir réavoir. Hein. Oh.
Mais non, c'est une blague. Voilà. Après, à la limite, je peux faire ça. Voilà. Comme ça, on évite tout risque au cas où que ça tourne mal. C'est bon. Okay, j'ai bien fait de revenir en arrière au cas où. Ok, c'est bon. Terminé. Je savais que j'allais sentir mal, mais bon, ça va, j'ai pas trop galéré. Pas trop galéré, j'ai les 3 étoiles. Ça va encore. Ok. Dune de miel, 4. D0 geyser. Attends, mon pote. Tu dégages. Wesh, c'est quoi ces boules de. Attends, c'est bien. Que je sens, mon pote. Allez, tu dégages. Toi, boum. Et voilà. Première étoile, pour l'instant c'est bon. Voilà comment je vais la voir. Il ne faut pas qu'elle disparaisse. Voilà, c'est bon. Et juste pour le style. Voilà. Oh, j'ai cru que j'allais le toucher. J'ai cru, hein. On prend. 1, 2, 3. Non, non, non. Pourquoi tant de haine? Ça arrive par devant, ça arrive par derrière. Je sais plus où gérer, moi. C'est pas comme un champignon, c'est bon. Il me semble que là il n'y a rien. Là il n'y a rien, je peux pas tuer. À part ici il y a la petite étoile. Ouf. Ne dis pas que je l'ai mis à l'étro. Voilà. C'est bon. Toi mon pote, fais pas deux fois la même erreur. Non mais non, mais non. Ouais, ce jeu m'a fait pas mal racheter dans ma... Quand j'étais un petit peu plus jeune quoi. Je suis pas vieux hein, mais... Quand j'avais 12 ans. Ça m'a donné des envies de meurtre envers ma Nintendo DS, quoi. Forcément. Mais j'ai pas l'habitude, en fait, normalement, le saut qu'on fait là, c'est quand je secoue la manette, donc comme sur Wii, et là, bah, j'appuie sans le vouloir, hein, comme si je voulais sprinter, et puis... puis voilà, il arrive ce qui se passe, quoi. Ah, y'a un petit dégage qui me donne encore plus mal. Parfait. Voilà. On descend, vas-y, descend.
j'ai un petit temps là. Alors, je sais pas pourquoi je sens que j'ai raté une pièce. Attendez. Non, il y a rien. Non, mais peut-être que c'est un truc qui est plus loin et qui pourra revenir en arrière. Ici, il n'y a pas un truc de caché. Ah, bah voilà. Oh. Arrête. Je vais pas monter jusqu'à l'offre. Non! Arrête! C'est trop stylé! Avant, Mario Mini était grave. Non. Il était grave chaud à manipuler parce que au moindre coup, bah, il crève en fait. Et là, franchement, lui donner la capacité de monter au mur, mais c'est juste magique en fait. Ah, je m'en serais pas douté. Je me serais dit, ouais, il faut faire un saut de dingue et tout. En fait, pas du tout. Oula! C'est vraiment marrant. Ouais, mais du coup, je dois finir la partie avec. Ah, ben, mais il manque quand même une étoile. Hein. Ok, salut. Ah. Il manque quand même une étoile, les amis. Hein. Je reviens la chercher ou pas? Bon. Comme d'habitude, vous avez l'habitude. Un petit screen à la fin. Je vous montre où j'ai trouvé la dernière. Qu'est-ce qu'on a passé? Une mauvaise graine, une dune de miel. Ouais, mais je suis en Mario Mini quoi. C'est peut-être pas être le must, hein. Voilà, on va changer de transformation. C'est plus adapté à la situation. Oh là, qui tue? Oh oui. Oh, alors là, je suis invincible. Oh, je m'envoie les steaks. Et qui tue, monte, voilà. C'est ça que j'aime trop, son nuage. Il permet d'aller dans des endroits qui, normalement, n'est pas permis. Et voilà. T'inquiète pas, je vais récupérer ton nuage. Mais non! J'ai oublié qu'il se déplaçait plus vite que moi. Ah mais c'est bon, ça arrive. Bon, par contre, comme il y a la qui tue, ça va être un petit peu plus difficile dans la mesure où les étoiles seront bien mieux cachées de façon à ce que je puisse les avoir, mais avec la qui tue. Alors, hop, tu vas ici. Je prends ton... Déjà, je vais récupérer une vie que j'ai perdue à cause de ta salle des gaines. Voilà. Ensuite, tu peux continuer. Oh. Yeah! Boum! Balek! Allez hop! Franchement, c'est vraiment cheaté par contre. Oh non! Les deux trucs se sont arrêtés simultanément. Je me suis dit non, je vais encore planer, il va pas m'avoir. Hein, du tout, je me suis fait cry, sale. Bon, cette fois-ci, je sais où est la première. Il y a un petit truc qui sort d'étoiles, ça peut être pas mal. Faut juste pas que je perde de vie. Allez, viens l'attitude. Ok, d'accord. Heureusement, j'avais dit, faut pas que je perde de vie. Mais non, mais. Ah, mais si t'as le truc vers le haut aussi, tu veux que je fasse quoi, moi? J'ai rien, hein.
Allez, on y retourne. Bah oui, faut réussir, hein. Faut réussir à le finir déjà. Allez, on tâte, on trace, on trace, on trace. Pas le temps de niaiser comme on dit. C'est à moi maintenant. Allez, c'est parti. Là, maintenant, je suis invincible. Je m'en fous, j'ai un pouvoir. Hop. Là, 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 il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Avant que tu disparaisses. Est-ce qu'il y a un truc ici? Ok, il n'y avait rien d'intéressant. On est au milieu de la map, donc techniquement, normalement, il devrait y avoir un coffre. À chaque fois, je vais faire comme ça. Allez. Et voilà. Ah, c'est les plantes pyramides écloses carrément. Je peux aller dans le ciel et tout. Ah, y a un truc là. Oh, j'ai eu chaud. Ça, c'est la dernière. Non, c'est la deuxième. Oh, oui, c'est à dire que je suis sur la bonne voie. Il m'en manque plus qu'une. Ça veut dire qu'elle est forcément devant. Ah, ok, je sais où il faut aller. Juste. Oh là 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 là, je cumule mon pote. Allez hop, allez hop, allez hop, allez hop, allez hop. Et bim! 3 étoiles. Fier. Mario time. Hey. Et ben voilà, on arrive directement au boss. Alors comment il s'appelle lui? Morton. Château Pilon de Morton. Pilon, ça veut dire qu'il y a les espèces de trucs torsadés là qui sortent de nulle part. Attends, c'est quoi ça? Ça c'est un travail pour Mario Mini ça. Si si. Ouais, je peux pas passer si c'est un travail pour Mario Mini. Ok, bah du coup, nous... voilà, c'est pour ça que je vous disais, il y a des fois, il faut garder les trucs. Hop, il faut garder les objets qu'on nous donne parce qu'ils peuvent être utiles dans deux endroits. Comme bah, par exemple maintenant. La Mario Mini, il aurait été utile. Je vais en avoir. Est-ce que je peux aller chercher un Mario Mini dans une maison champi? Ça pourrait être utile, quoi. Parce que j'ai pas envie de me retaper tout le niveau pour trouver un Mario Mini, quoi. Est-ce que tu peux être clément avec moi et me donner un Mario Mini, s'il te plaît? Ou un Mini Mario. Ce jeu consiste à déposer un bébé Yoshi de chaque couleur sur le panneau correspondant, mais il s'agit d'être vif car cette petite canne ne tient pas en place. Ouais, mais là, il n'y a aucune info. Avec un peu d'astuce, on peut gagner plein d'objets, mais gare à Bowser. Je sais pas, mec, tu prends n'importe lequel. Moi, je voulais juste un Mario Mini, c'est pas là. Tiens, je vais prendre lui. Espérons que j'ai pas Bowser. Oui, j'ai pas Bowser. Alors, moi, c'est bien mérité. Donc, j'ai eu une plante. Ça va, je connaissais pas. Et un Toad, c'est quoi un Toad? Parce que je sais pas ce que c'est, moi. Oui, mais un Toad, c'est quoi? Attends, j'ai remporté un Toad, mais je sais pas quoi ça fait. Oh, je sais.
Yeah! C'est bon, j'ai eu. Mais attends, je peux repartir. Ah, oh, mais j'en avais un dans la voie. Ok, c'est reparti. Bon, tant pis pour Mario Mini. Je reviendrai en off. Allez la chercher. Si jamais c'est une pièce cachée. Ça se trouve, y'a rien. C'est... Alors. Bah, j'ai pas pris le pouvoir, du coup, bah, c'est super. Pas le temps de niaiser. Boum. Y'a rien. Des fois, il y a des passages secrets, ils se voient mieux que d'habitude. Hein. Dis-moi que c'est la première fois que ça. Oh, mais ça va en fait, j'avais pas besoin de Mario Mini. Ok, ça va. Ah bah si, je vais en avoir besoin. Parce que là, je vois qu'il fallait gravir des murs et tout. Et Il monte ta race. Donc il y a apparemment Mario Mini, faut que j'utilise un petit peu partout dans ce monde. Déjà au début et puis à peu près au milieu. Enfin, moi je vais l'avoir celle-là. Ouh, j'ai failli finir en chair à saucisse. Je savais, je savais que ça allait pas passer, mais je suis quand même allé. Comment je suis débile. C'est une blague. Débile. Je sais que ça va pas passer, hein. Je l'avais prédit. Je me dis non, ça va pas passer. J'y vais quand même pour tester au cas où. C'est pour me rassurer. Boum. Non, ok. Allez, ça passe. Ok. Pour l'instant, ça va. Est-ce qu'il y a un truc caché ici? Non. Eh bah tant pis. Je sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Ah ouais d'accord. Ça va vite en plus. Oh, j'ai pas envie de mourir. Caché ici. Oui. Allez, cours, 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 cours. Je sais pas où aller. Ah d'accord, il y avait pas de pièce en fait. Enfin, il y avait pas de... Ah bah non, j'ai les trois. Je suis même pas regardé, mais j'avais les trois. Non. J'en peux plus. Oh là 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 là. Eh. Wesh Carotin. Ouais bah Carotin, je viendrai quand j'aurai fini, hein. Je suis désolé. Tu t'es pas une de mes priorités. Hop, je prends ça. C'est reparti. Cette fois je finis. Et Morton, je me le fais. Château pilon de Morton. Mais pourquoi de pilon du coup? Ah, d'accord. Simplement parce que en fait c'est des murs, je crois. Ça cause des murs. Oh, c'est un mur.
Oh, oh la chance! Je croyais que ça allait pas passer en plus. Voilà, voilà, ish. Alors, pas besoin de lui, pas besoin de tout ça. Ok, c'est la partie la plus délicate du game. Oh! J'ai voulu tester et c'est passé. Et parfait. Viens par ici. Non. Peut-être que ça m'aurait été utile. Je préfère garder Mario de glace parce qu'il est plus stylé. Tapez dans les commentaires Mario de feu ou Mario de glace. Ouf. Morton, me voilà. Alors, pilon. Attends, j'ai pas un marteau avec lui. Mais... je suis comment moi? Oh, pardon. Je suis trop bête, c'est pas possible. Je vais en dessous de lui. Mais comment je suis dans la vue? Je suis dans la vue. Les amis, je suis dans la vue, je vous l'annonce, je suis dans le total inaise. Et moi, comme un con, je vous souviens. Eh, j'ai déjà une crête là parce que ça va, ça fait 15 fois que je recommence. Donc, je suis comme ça pour pouvoir avoir un pouvoir. C'est mort ou pas? J'ai plus le temps, pas le temps de niaiser là, j'ai plus le temps. Alors c'était risqué ce que j'ai fait, je refais pas la même. Ok. Ah, je garde Mario de glace là. Je viens de comprendre comment il fonctionnait. En bas, au-dessus, en bas, les deux de d'affilée. J'arrive, Norton, j'arrive. J'arrive, Norton. Morton. En dessous, au-dessus, en dessous, deux d'affilée, et ça arrive. Allez. Punaise, je suis obligé d'attendre. Non. Vers le bas. Au-dessus, ok d'accord. Au-dessus encore, punaise. Deux d'affilée. Punaise, je suis tout petit. Je sais pas si je vais réussir à me faire la dernière fois. Mais deux fois! Mais j'en ai marre! J'en ai marre! Eh, hey, j'ai pas un super fou. Hey, j'ai un objet qui va m'aider, je sais pas, je vais utiliser un objet, tiens. Je sais pas ce que c'est, ça.
pas ce que c'est, mais ça, voilà, j'utilise. C'est une blague. Arrêtez, arrêtez, j'en ai marre. C'est une grosse blague. Ah bah les gars, c'est bon. On va saouler les objets. Voilà, je repère mon pouvoir super. Je peux en avoir un deuxième là-bas. Là, je suis remonté là, c'est en bas, au-dessus, en bas, au-dessus, ensuite c'est en bas, au-dessus, non, c'est au-dessus, au-dessus, en bas, je crois. Bang. Carrément aléatoire en fait. J'arrive. Voilà mon pote. Je viens de comprendre comment cliquer. Tu vas aller en haut à droite, à gauche, et après tu vas revenir ici. Voilà et bim! Là maintenant je t'ai eu Norton, Morton, bref. Je t'ai eu. Enfin. Oh là là, il m'aura pris du temps. Il m'aura pris beaucoup de temps. 10 minutes pour faire un boss. Hein. Et boum, allez, va voir ton daron. Laisse-moi tranquille. Allez hop, casse-toi. Yeah. Et voilà les amis, c'est la fin de l'épisode 3. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Moi je vous dis à la prochaine pour l'épisode 4. C'était Lobcarly.